Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Steel Division 2. On est sur Red Storm une nouvelle fois, car on a un nouveau petit copain de jeu que vous allez pouvoir découvrir tout de suite. C'est parti. Alors, les divisions ici, garde Trescroft V, 10e corps blindé, 3e et la 16e de la garde. La Lovas, la 16e Panzer qu'on ira voir, la Skyjäger qui est arrivée aussi sur le mode, qui est toute nouvelle. La 14e d'infanterie, donc de l'infanterie, infanterie blindée. Ici, et c'est parti, il faudra pour découvrir la nouvelle coqueluche du jeu, suivre la 16e. Alors on va repasser en notre choc toc pour voir un peu l'arrivée des troupes en ville. Ça va être Mézig avec la 16e face à la Skyjäger de Crisp. Alors autant vous dire que je ne suis pas parti avec le sourire. De mortier de ce côté, de 3 de l'autre, et une infanterie qui va tenter de contester la ville à des Jägers qui sont très très bien pourvus. Alors j'espère mon soutien avec ce petit véhicule, mais bon, sa mitrailleuse ne vaut pas une MG42 malheureusement, et on va quand même donner le maximum. Là je suis un peu sorti pour c'est une reco, manque de bol. Il y a du pack aussi dans les parages, ça va faire mal. Sur le centre, ça avançait pas mal avec Atreide qui est mon support sur la gauche. Et quand je dis support, ce n'est pas pour rien, puisqu'il est prévu qu'il place du monde, en l'occurrence un I-152 dont les obus H vont faire un carnage. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Mes sapeurs sont pas à la fête et ramassent sévère. Alors, armement MP44, voilà, hein, vous voyez que des cadences de tir infernales. Bon, j'ai comme rôti le KVS1 de commandement en soutien. Là, c'est bien regroupé, il y a du commandement de tous les côtés. Je dois même avoir un commandant ici, sous-officier là, et échange d'obus, question de politesse. Alors là, petit problème sur mon deck, j'ai pas d'anti-air, donc le Stuka, aussi lent soit-il, va pouvoir semer ses petites munitions, et hop, effet garanti. Voilà, sur ce côté-là, c'est un peu tendu du slip. De l'autre côté, eh ben, ça marche beaucoup mieux, puisque le mouvement, c'est Gishi qui fait face à Atreide. Et là, là, dans les bois, c'est bien plus regroupé et bien plus dangereux pour l'Allemand de ce côté-ci. Au centre, je vais rester côté, me former par rapport aux Russes. Centre gauche, eh bien, c'est du groupe Hunter qui garde la maison ici. Mais pour l'instant, alors, le pionnier, t'as quoi, toi? Ah, ouais, il y a de l'explosif et toujours des squads avec des batteries lourdes. Alors, ici, c'est vraiment toujours très dur à tenir cette colline et le centre du combat. Là, on y va au fumi. Le fumi, et on en discutait en débrief, est souvent plus efficace qu'une tentative de tir au mortier pour destruction de l'adversaire, moins que ça soit du mortier relativement proche. Là, il essaye de prendre au maximum. Il a quoi comme vue là? Ouais, juste limite. Hein. Il peut pas être. Ça doit être la Lovas en face. Ouais, c'est la Lovas. Donc la Lovas, on peut pas dire qu'en force blindée ça soit
La fête au village. Là, c'est Noël, pour faire simple, qui est en face. Alors là, là il dispute sévèrement quand même son espace. Là, Lova, c'est Noël. Et ici, c'est Wolf Dog, un joueur expérimenté, s'il en est sur le mode. Donc là, ça fait vilain. De l'infanterie, du... Alors, très important, hein, je l'ai appris à mes dépens sur une partie où j'ai dégusté. Il y a vraiment une plus forte complémentarité des troupes. Vous devez faire des groupes, vraiment des groupes, avec recos, officiers, sous-off et envoyer tout le monde au combat. Alors, le combat, il se passe aussi dans le ciel, vous avez compris. La VVS fait ce qu'elle peut et repousse un peu les assauts allemands, les Allemands qui ont la pêche pour l'instant. Et ici, forcément, c'est pas la joie. Et en plus, j'ai pas le matos qu'il faut, hein. Clairement, pour démarrer, il va falloir que je revoie mon deck. Bon, c'était sa première sortie, hein, à refaire. Bon, pour l'instant, l'Allemand est en train de se bombarder. Ça m'arrange bien. Ça m'est fait économiser des munitions. Ça fait un double effet qui se coule. Merdouille, en fait, c'est. Ah, il protège en fait ses troupes qui sont un peu stone au mortier, mais j'ai rien pour pouvoir poursuivre pour l'instant l'engagement vers l'avant. Bon, le but est de résister. Mes petits camarades font du taf et essayent de reprendre et rééquilibrer ces drapeaux perdus. Atreides. Alors, dans les bois, c'est encore moins visible. Fort logiquement, il y a des fois des effets de pénétration de l'adversaire dans vos lignes qui sont assez balèzes. Hop là, là. Un ch'ti panthère de prise. Il doit être joli celui-là. Je voudrais bien le choper. Où t'es? Aïe. Loupé encore. Un nom de Dieu. Donne-moi le. Tac. Loupé. Je le tiens. Voilà, il est pas mal, il est pas mal. Bon, et pour l'identifier, ça doit être autre chose. Ah, bah voilà. Alors, il reste à bonne distance, forcément, avec son canon et ses munitions à haute vélocité. Il a la capacité de percer tous les blindés adverses. Voilà pour la histoire et l'inversion du sujet en ce qui concerne la prise des drapeaux. Alors ça vient pas de ce côté-là où ma division est toujours en difficulté et cherche surtout à contenir. Vous voyez l'issue qui fait le taf de l'autre côté. Ah, faisait. Ok. Bah oui, parce que bon, il a dû finir quand même par énerver. Ah, ça vient de l'autre côté. C'est un pack 67-5. 75. Tac tac tac. T'es à combien de mètres toi? Voilà, on voit pas ça tout de suite. C'est qu'est-ce qui est marqué? Ouais, je fais chier. Ah, c'est marqué dans l'autre sens, super. Ouais. Juste, hein. Juste, bon, lui, il va. Oh la vache. Ah, ça, c'est de la mine qui fait mal. Bon, forcément, là. J'ai essayé de le stopper, ça n'a pas fonctionné. Donc, bah, pour me rassurer, une petite attaque sur les blindés, encore foirée. Ouais, pas assez de distance et de coups au but pour faire la différence ici. Et puis, y a surtout la flaque de 20 mm. Bon, normalement, il devrait rentrer. Voilà, il me fait plaisir. Heureusement que lui est en décrochage. Sinon, j'étais dans la merde. Alors, si ça se passe bien, c'est plutôt de l'autre côté. Toujours délicat pour un Allemand. Alors, Guichy, Guichy, tu as quoi, Guichy? Tu as la 14e, hors de l'infanterie pourtant. Et en face, bah ouais, Atreides. Pas là pour rigoler non plus. Ah, 50, ah, ils ont du 50 aussi. Alors là, bah lui, il doit être bien enfumé là. Alors, de ce côté-ci, est-ce que la grosse bestiole est arrivée? Toujours du panthère.
du Panther Panzer 4 classique, pas de problème. Voilà, les deux vont turbin là. Alors, dans l'axe, il y a de la lourde quand même. Allez. Ah, petite explication de Panther à Panther. Qui c'est qui va l'avoir? Eh ben voilà, ça c'est réglé. Après, faut avoir les munes, j'imagine. Bon, là, c'est dégagé. C'est ici que les points se sont faits. Pas facile la Lovas. Et puis le terrain, une fois que vous êtes fait dégager, voyez, vous n'avez pas beaucoup de points d'appui. Peut-être le décrochage ici qui doit vous permettre. Voilà, il y a quand même un point de rupture sur la ligne de tir. Vous voyez les véhicules qui doivent arriver. C'est pas du véhicule rapide. Les Panzer 4 sont pas les plus costauds, mais restent très efficaces avec leur canon. Par contre, en face, ça envoie pas les blindés les plus costauds non plus. Mais il y a du nombre et il y a surtout une infanterie qui occupe le terrain. Très important. Alors lui, il s'est bien mis dans l'axe là pour stopper tous les renforts qui pouvaient arriver. Du coup, ça a un peu excité le joueur adverse qui a envoyé l'aviation qui n'arrivera pas. Et par contre, le pilote du Yak, ah, il a peut-être ses chances. Il a peut-être ses chances. Personne ne va le poursuivre. Tout le monde rentre à la maison. Ah bah ouais, il avait peut-être ses chances, mais bon, c'était sans compter avec une DCA implacable. Ici, c'est bien costaud. Hop, la charge explosive du sapeur. Bim. Les groupes, bah ils sont là. Hein, là par contre, c'est qui a fait les dégâts? Les petits Panzer 2. Toujours là. En soutien, en théorie, sur des divisions. Arrière-garde ou de police. Ah, il devait plus avoir grand chose. Alors le Sherman en version diesel, bah, il fallait bien s'adapter au carburant utilisé par les Russes. Et ça, bataille très dure hein, malgré des prises de position encore exploitées. Vous voyez qu'ici on se réserve en terrain défensif avec de la Rocco, une Maxime pour arroser le terrain d'entrée de jeu si quelqu'un veut passer, des troupes en arrière pour éviter, et puis le commandement pour soutenir l'ensemble. Ici aussi une vision du terrain. Là par contre, eh ben, c'est la même avec le soutien des 50 et des Panzer 2. C'est des groupes très très bien constitué. Là on revient au soutien. Alors là va falloir réparer Komroti qui est là en défense, et du soutien d'artillerie. Alors de ce côté là c'est stabilisé, c'est acharné on va dire. Hop là, t'es qui toi pour me... Ah ouais, ouais, c'est vrai que ça, je l'ai bien repéré ce départ de tir là. Non, je sais pas quel dégât je lui ai fait, je l'ai bombardé. Il y a quand même du monde hein. 1, 2, 3 pour l'instant, je dois avoir l'équivalent. Là, le contre est quand même bien fichu là, de ce côté-là. Hop. Et hop. Très très bien placé. Pour supporter aussi l'arrivée et contrer surtout ce qu'il y a sur ce flanc qui était fait vraiment pour ennuyer et provoquer des dégâts d'ailleurs. Guichy est allé tenter sa chance par là. Une jolie tentative de contournement qui avait une bonne raison d'être. Ici toujours le même travail, ça c'est important sur le mode. C'est pour ça que j'ai des réglages à faire sur mes decks. Du commandement, j'ai fait attention à ça déjà parce que la dernière fois je me suis fait avoir sur une autre division. Il me faut de l'anti-char pour mon infanterie. Alors ce qui me manquerait là, c'est une vision de ce qui se passe. Mais bon, je savais que l'adversaire était dans le secteur. J'aurais dû mieux cibler la ville. Et moi,
tirer sur mes braves hommes. En tout cas, ça fait son petit effet. J'essaye de progresser, mais ce n'est pas gagné du tout. Ici, c'est contenu. Là, le combat reste toujours acharné. Alors, il semble difficile. Ouais, voilà. Et je me disais, ça manque de... de renfort. 120 mm. Ouais, quand ça tombe, ça fait mal. Ah, je tourne sur du 82. Alors, j'avais dit le petit nouveau avec cette division. Ben, c'est lui. Coucou. Le Panzer König Panzer 6 en route pour la gloire. Alors lui, il va peut-être pas trop faire le cake là tout de suite. Il va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, sur le village, il n'aura pas pris le tir de Katyusha. C'est déjà pas mal. Après, une fois qu'il sera installé, on va voir un peu les dégâts. En tout cas, on peut le jouer maintenant. C'était pas le cas jusqu'à présent. Il était pas là. Alors, on a eu une petite discussion pour savoir s'il était là. Bagration pour... donc, Crisp m'a bien... On a discuté sur le fait qu'il soit présent ou pas sur le front de l'Est. Il y a bien eu confrontation sur le front de l'Est. Bon, bah, pas sur Bagration, évidemment. Voilà, on est d'accord. Mais en tout cas, il y a eu combat. Après, vous avez un très bel article comparatif que j'ai sous les yeux là. Hop, TNT. Traxxon Tank Magazine, vous avez un comparatif entre les deux blindés. Les deux blindés IS-2 et König Tiger, très important, très intéressant comme magazine. Bah, vous allez avoir peut-être cette première confrontation. Alors, du point de vue du magazine, hein, évidemment, c'est pas moi qui vais ramener ma fraise sur des... sur un tel sujet. Ah, c'est un peu encombré de carcasses là. Hop, ouais, je suis parti avec l'infanterie. Pas l'IS-2. Qu'est-ce qu'il va me dire l'IS-2? Est-ce qu'il a vu? Voilà, là ça. Il rentre. Hop, tac. Alors c'est pas la même cadence de tir, hein, évidemment. C'est même pas le même poids pour ce qui concerne les pruneaux. Et. Ça n'envoie pas à la même vélocité. Donc, par contre, le poids et l'explosion peut faire de gros dégâts sur l'équipage. Alors, attention, tu tires sur qui? T'as vu quoi? En tout cas, il est prêt. Hop là. Bon. Ok. C'est fait. Oui, non, mais c'était. Il n'y a pas de problème, hein. Un peu moins, 1500 mètres. Il était à la bonne distance. Là, O'Neill, ouais, il a dû être soulagé de voir partir ce premier König arriver sur le champ de bataille. Ça lui a fait mal aux dents, là, direct. Et j'ai pas vu un seul départ de tir de la part du König. J'ai pas regardé son point. Je pense qu'il va en sortir d'autres. Va falloir voir ça. Et hop, on va aller voir le point. Le nombre de points pour IS-2. En tout cas, il est bien positionné. 145 points. Bah ouais. Il y a un gros blindage aussi à l'avant. En voilà un autre. Deuxième service. Et c'est un Panzer 6 de commandement. Bon, bah, il n'a pas pu rejoindre son pote. On va quand même voir. Tac, tac. Ça affiche 237. Ça fait mal. Faut attendre quelques minutes. C'est quoi son économie? Au KGB, j'ai pas vu. Si. Ah, ça va, il a l'économie qu'il faut. 162. Ouais, faut un petit peu de patience. Bon, là, j'essaye de lui griller sa zone. En plus, il avait plus de mun, les boules. Bon, en tout cas, ça lui a pas fait tant que ça de dégâts. Donc, je m'en suis aperçu et j'ai fini par refaire du tir. Alors là, le hors map. Piou, piou, piou. Ah, bah là, on a refait le jardin.
Du fumier, en veux-tu, en voilà. Tout le monde se couvre dans sa progression. Là, Marocco prend sévère. Ouais. Du sort. Il sera plus là pour raconter ce qui se passe à l'avant. Brave homme. De ce côté-là, il est bien, bien regroupé. Regardez-moi. Alors ça, c'est de la vieille saleté. Vous l'avez déjà vu. Contre l'infanterie, ça stone tout ce qui arrive. C'est bien, bien saoulant. En tout cas... Bah, si c'est pas moi qui fais les points, j'en ai perdu un. Oh putain, l'enfoiré, Molloy. Tu vas où toi? T'es qui? Ah, t'es de la Rocco. Ouais, bien tranquillou sur le côté. Alors, pour moi, j'ai perdu la mienne. Pour l'instant, je fumis à mort. J'ai quand même les soutiens de quelques blindés. Ça va, la division est pas mauvaise. Hein. C'est cette 16e là, faut que je revoie mon deck en A parce que j'étais un peu flébard, oui. Et ça, c'est à revoir. Pour l'instant, j'essaye de... Alors, les fumis, c'est autant pour me protéger que de raccourcir la vue de mes adversaires. C'est surtout lui qui m'emmerde, là. Il va me faire très, très mal à chaque fois et je vais pas l'apercevoir ou le contrer efficacement. Vous voyez que le fumier prépare autant l'assaut que la protection des troupes et réciproquement. Et ça marche dans tous les sens. D'ailleurs, je sais même pas si ce que j'ai dit avait du sens. Mais en tout cas, c'est réversible. Ah, dommage, là, il a pas de troupes anti-char. Il avait... Ah si, là, t'as quoi, toi, pas lui balancer, là? Je sais pas quoi, hein. Les grenades, peut-être. Ça doit être de base. Voilà, en tout cas ça balance sévère. Mais ça le stone sans d'autres con. Ah ouais, bien joué, il s'est rendu. Voilà, bon, en tout cas, ça vient de l'allemand, il protège ses troupes d'un sacré risque. Alors le Buglite, ouais, un joli mélange d'armement ici. La Maxime tient le terrain, ils doivent pas se voir. Ouais, c'est un peu les bois aussi. Hein. Ici, l'Issou 152, vous avez le commandement sur les arrières. Toujours, toujours. Bon, là, on est quand même des joueurs habitués, un petit peu plus habitués au mode, on sait. Connaît un peu les problèmes. Vous voyez le renforcement pour de mon côté, j'ai quand même... cette capacité. Alors je suis con parce que je l'utilise toujours en canon de combat alors qu'il a une capacité de bombardement à distance aussi, mais non, j'ai pas su l'utiliser comme ça. Là, très bien joué de la part de Crisp et je vais pas m'en apercevoir tout de suite. Lui, il a Sarocco ici, il a quand même un 75, alors je le fais à l'allemande, hein, toujours 75, non, 7-5, c'est à l'allemande. 75, c'est la manière alliée de dire les choses. Je regarde un peu ce qui se passe, je suis surpris de voir ces petites saletés, je les ai pas aperçues tout de suite. Elles sont bien armées là, vache. En soutien, tu m'étonnes que je me suis fait dépouiller là. Par contre, lui, mon Issou, s'il fait pas trop le con. Ah, il a rechargé ici. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est lui qui l'a vu? Je pense, hein. En tout cas, il y va. Tac, tac. Abattez-moi ça. Voilà. Retour maison. Voire peut-être pas retour du tout. Ah, non, il a trop d'anti-air. Hop là, nouvelle charbon. Huch. Et là, je commence à couvrir avec du 122 Issou sur les arrières. Et ça fait bien plaisir. J'en ai même envoyé un sur le flanc. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le soutien que m'avait donné Atreides. Alors là, le combat chez Atreides est aussi costaud. Ah, la vache, cette colline, elle aura été disputée. L'allemand y met... Ouais, il envoie du lourd quand même là. Hop, y a... ah tiens, ils ont oublié de sortir ça. C'est qui, c'est Atreides.
Hop, hop, hop. Y a du soutien derrière, mais en profondeur, ça va être compliqué. Heureusement pour lui, l'Allemand est un petit peu dispersé. Il y a quand même le flamme qui ne résisteront pas aux charges des sapeurs. Il y a tout, hein. Il y a de l'étoile, il y a de la croix germanique. C'est le combat est costaud, la vache. Dans la ville, ça avait été glorieux aussi, mais alors de ce côté-là, et notre petit Koenig, qu'est-ce qu'il vient lui? Ah, il est là. Il est là, il est là, et en tout cas, il garde la maison. Hein. T'as quoi comme axe de tir? Eh ben voilà, en enfilade. Alors, est-ce que tu vas faire péter? T'es à combien? T'as qu'à le cercle dernier à 2000. Popo, ouais. Là, ça peut. Non, il tire pas. Ah, pourtant, il est dans l'axe. Il est bien placé. Une roco. Ouais, il est idéalement placé. Il ne tire pas. Ça y est. Charge, alors la cadence de tir n'est pas la même. Je l'ai dit. Il y avait quand même un avantage au conique de ce côté-là. Aussi en protection d'ailleurs, quand je l'ai lu, j'étais assez surpris, mais le blindé, hormis l'issue, 152, 122 et l'IS-2. Ah, lui, il n'avait pas grand-chose à craindre des canons de 85. Il fallait vraiment se rapprocher pour l'avoir. Là, il tire. Je ne sais pas s'il tire en H. Il est en quoi? Hop, 29. Allez, tire. Ah, ben voilà. Fumi, toujours plus efficace que d'essayer de le détruire. Ce qui permet à ces braves tankistes de se rapprocher, peut-être de tenter leur chance, alors que lui en roco est bien caché là. Alors par contre là il y a du lourd côté blindé là. Hop, alors je pense pas qu'il vienne chercher le Koenig Tiger, il vient juste en H stone et soutenir les infanteries qui progressent dans la ville qui aura ramassé, hein, que ça soit de mon côté ou de ce côté-ci. L'assaut est donné avec tout le soutien bien blindé qu'il faut. Ah, bien joué sur le côté là. Ouf, ouf, ouf. Tu te prends quoi toi? Ah, ok, il y a un 37. Ah, ouais. Là, les rafales vont rebondissent pour l'instant, mais ça n'arrangera pas le bousin à un moment ou un autre. Ah, ouais, ça y est, il y retourne. Lui aussi participe au soutien de ses infanteries. Pouillou! Et ça devient de qui ça? Décrochage, ouais, t'as plutôt intérêt. Il a dû. Ah, c'est sur un tir qui est tombé à côté. Alors, lisse. Sous 122. Ça doit être pour lui. C'était pour lui. Eh ben non. Là, par contre, il va tenter sur le flanc. Tourelle coincée, dommage, il a pivoté. On voit, c'est pas. Hop là, bon, ça a dû faire mouche. Hop, à côté. Ah, il a. On voit l'armement ici. Back, back, ok. Il back. Bon, je sais pas s'il avait grand-chose à craindre. Ouais, il fallait dépasser les étapes moins de 500 mètres. Faut déjà y aller. En tout cas, il souhaite le conserver. Peut-être qu'il va envoyer un véhicule de réparation. C'était le gros gros point noir, hein, pour le blindé allemand. Là, c'était l'entretien. Ah, le russe va tenter un assaut de ce côté-ci. Qu'est-ce qu'il a pour le soutenir? Ah ouais, il a perdu peut-être les Katyusha. Un IS-2. Deux commandements sur l'arrière, ben, ça paye pas de mine. Mais vu comment ça a bien marché pour l'autre, pourquoi pas? Alors, on voit quand même que l'intensité du combat a été bien présente. Ouh, il a peut-être repéré. Hop,
Hop, hop. Oh, bah, on y l'avait, on avait sous. Avait du poing sous le pied ici. Ben, c'est toujours compliqué de se repositionner sur la colline. Mais vous voyez le nombre de troupes qu'il y a. Ça peut aider. Il prépare son assaut. C'est construit. Tout ça, on est revenu à l'équilibre. Il reste 42 secondes. Ah, puis c'est de la reco. De la reco pour accompagner les blindés qui ont très peu de visibilité. Par contre, ces petits chars là, par rapport aux fusils anti-chars, ils sont peut-être plus sensibles. On est loin. Pas tant que ça. L'efficacité des fusils sera toute relative par rapport à la puissance de feu déployée ici. Ah, par contre, ouais. Il peut-être monter un peu vite là. Il va y avoir des pertes. Ah, lui, il est au beau milieu. À 2 IS-2 là. Ces petits blindés ont vraiment, vraiment. Il est monté trop vite. Voilà, ils ont vraiment besoin. Ouh, le hors-map là fait dégager tout le monde. D'ailleurs, celui-ci, ça a été commandé par le joueur. Celui-là est en décrochage. Un assaut massif plus du tir d'infanterie. C'est très, très bien construit. Il y a du commandement ici, là, de la roco, on l'a vu. Alors par contre, là, il continue à stone dans ce secteur. D'ailleurs, il reprend les points ici. Ouais, c'est des beaux assauts. C'est ce qui est très agréable dans le mode, c'est que tout est prévu. Il y a un rythme de construction. Tout n'est pas basé sur des préparations trop massive et exclusive de l'artillerie. Il s'agit pas d'exclure l'artillerie, mais arriver à ce degré de rapprochement. Évidemment, les conditions d'un hors-map et les tirs et la visibilité, disponibilité des artilleries, de la grosse artillerie, eh bien, c'était pas ce qu'on peut voir dans le vanilla, et c'est ce qui est très agréable dans le mode. Vous micro-gérez beaucoup plus vos véhicules, vos squads, la construction est beaucoup moins speedée, et j'adore ce rythme et cette recherche. Vous avez vu Guichy avec sa tentative de contournement là-bas, qui n'est pas avortée d'ailleurs, hein. Il a des possibilités. Ici, il garde sa colline. Il y a aussi beaucoup de monde. Hein, Crispé a dû aider par là. Et de ce côté-là, bah, je me trouvais un peu mieux. Surtout, alors on va plus le voir, il s'est fait pulvériser. Surtout grâce à mon 152 qui était sur ce flanc et qui a fait un travail fabuleux. Les 122 ici en arrière ont bien bien protégé ma ligne. Et ici, eh bien, celui-là a pu contenir un assaut qui était très bien construit aussi de contournement de la part de Crisp. Et puis bah là, le combat n'est pas terminé. Il est extrêmement furieux. Et alors lui, bon sang. J'ai pas réussi à le traiter dignement. Mais il méritait son obus de 122, hein. J'aurais dû prioriser et je ne l'ai pas fait. Un petit regret. Alors là, j'ai fait le con. J'ai fait le con dans le sens où j'avais plus de mun. Alors j'ai renvoyé mes 82. Manque de bol, quelques minutes plus tard, on arrivait en face C et j'avais des mun. Et mon adversaire va bien me cerner d'où vont venir mes tirs. Et sur le flanc, la ville en fait en attaque de front. Bon, voilà, il faut du monde pour contenir, il faut du soutien en arrière. J'ai jamais réussi à reprendre ce point. En tout cas, on n'est pas loin. Hein, il y a du monde, il en chie. Et j'ai du matos à lui proposer. Et bon. La face C est quand même intéressante. Là, vraiment, tiens, un drapeau qui tient à rien. Ici, le combat est intéressant, hein. Depuis le début, Guichy et Atreides se sont tirés la bourre sur leur secteur de jeu. C'est assez tendu.
Il n'y a pas à dire. Là, il y a du soutien d'artillerie. Hein. Vous voyez, il n'y en a pas des masses là. Il y a deux mortiers ici. Il y a des Katyusha, mais très vite, vous perdez vos munes. Il y a deux autres mortiers. J'avais quatre mortiers en tout et pour tout. Face à quasiment autant. Donc, on avait pratiquement autant de munes. D'artillerie. Après, ce sont nos alliés qui font le taf. Là, on voit bien la progression sur le secteur, l'échange et le côté très intéressant du commandement et de la progression d'infanterie qui me permet de voir ce qui se passe. Alors là, ouais, le Lorraine s'est fait sécher et j'ai bonne espérance de l'avoir, cette saleté de drapeau. Et le fumier, je sais plus de qui, enfin tout le monde l'utilisait, donc je pense que ça vient de chez moi, ça. Et ben ça, c'est pas vraiment du fumier. Bon, peut-être. Alors là, il avait du monde aussi en anti-char pour couvrir. Là aussi, il y avait de quoi. Alors, on continue sur cette colline où c'est assez furieux. C'est clair, hein, il arrive à juste à se maintenir. Il y avait vraiment de la masse du côté allemand. De ce côté-là, ça semble difficile. Il y aurait des pertes, mais enfin, les poutiers un peu. Ça fait quand même beaucoup de points chauds pour l'allemand. Ici, cette colline, mais il y avait de la masse. De ce côté-là, par contre, ce sont les Stug qui viennent contester. Et là, où en sont nos héros? Et là. Ouais, il a du 8-8 là. Ah ouais. En centimètres, c'est bien les Allemands. Hein. Je me souviens à dire le 8-8, c'est Art. C'est comme ça qu'ils le nommaient. Oula, il y a de l'aviation qui tombe. Et les Katyusha qui font le travail. Hop, hop, hop. Toi, si tu vas gratter. Non, il gratouille de l'infanterie, j'ai l'impression. Youp, c'est de l'autre côté. Ah, encore un IS-2. Pour l'instant, la confrontation. Oh putain, qu'est-ce qui s'est pris dans les dents, lui? Ah, peut-être. Ben. En voilà un. Il y en a deux sur le terrain, là, quand même. Est-ce qu'il y en a. Ici qui est cuit, un autre qui progresse au fond là-bas, et celui-là qui vient pour rétablir la situation que t'es un peu, et ben voilà, et ben, oui, ça a été acharné, la victoire est là, mais elle n'a pas été donnée. Ça tient à pas grand chose. On a vu la ligne de front qui était très très serrée avec des points qui pouvaient être pris. Donc, est-ce que j'ai fini avec le fameux König? Non, on a le pédigré. Et non, c'est dommage, c'est dommage. J'aurais dû regarder ça. Est-ce qu'on va voir du König là-dedans? Est-ce que c'est Atri? Non, c'est Volstagg. Bah, Volstagg, il s'est bien. C'est bien marré là, la Lovasse a moins rigolé par contre. Elle est pas facile. Cette colline, pourtant, l'assaut était bien mené. Il y avait la concentration de petits blindés. Heureusement, c'était relativement équilibré. IS-2 tire de ce côté-là. Là, deux divisions. Il y a quand même du ISU-122 qui. Il n'y avait pas de comparaison possible entre les blindés. Hop, et ben écoutez, je vais quand même on va quand même voir les stats du König, car c'était quand même un petit peu le but. Nous y voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme perte? En voilà, ça, il y a un gros écart comme ça. Pio, oui. Hein. Il a fait mal, hein. Il a emporté avec lui deux IS du T-34-85, du petit véhicule. Comme du plus lourd, celui-là aussi, il a fait sa moisson. Et de ce côté-là, un petit peu moins. Il a dû. Ah, il y en a encore un là. Ah, il y avait du monde quand même de sortie. Il a eu du tir, de prise, plus deux autres IS-2.
S. Et dans les pertes, alors bon, par rapport au nombre de Panzer 6 construits et de... Alors il y en a un qui a été détruit. Non, c'est un Panzer 5, donc c'est le Panther. Tac, tac, on va le retrouver. En voilà un détruit par l'IS-2, on l'a vu. Ah, il y a eu plus de 3200 IS-2 construits pour à peine 500, 486, si je dis pas de bêtises, tout ça dans le magazine TNT, Panzer 6. Et puis au-delà de la masse, il y avait aussi une capacité d'entretien, de fiabilité, 1000 km pour un moteur d'IS-2, 300 pour avant entretien, hein, c'est pas, il canne pas non plus. Et il y avait ce gros problème-là parce que les ateliers pour changer de si gros blindés, des pièces à démonter ou autre, ben fallait quand même du matériel et des ateliers spécialisés. Quand ces ateliers se retrouvaient pris à part l'ennemi, ben vous pouviez laisser vos blindés. Et d'un point de vue mécanique, eh bien, entre ce qui était construit, disponible sur le front, il y avait des sacrés écarts. Voilà pour l'histoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et s'il vous tente l'envie de venir jouer et de tester ce très beau mode, n'hésitez pas, prenez le temps de l'appréhender et puis de vous faire des decks construits. Moi, je me ramasse une, deux raclées, puis après, on stabilise, mais vous avez quand même du plaisir à perdre, on va dire, parce que il y a vraiment un côté tactique et un côté jeu qui est très très agréable. Voilà, merci à vous, bon jeu à vous tous et à vous toutes, et à une prochaine fois. Bye bye.